And we've just heard from Professor Jeffrey Sachs, and we've had our panel discussion on the SDG barometer and the presentation of those results before that. We have now a session where we will listen to some reactions from the government, and we begin with a recorded message from Minister Krevets, and that's Hilde Krevets, who is a Flemish Minister of Economy, Innovation, Work, Social Economy and Agriculture, and that's since 2007. She's been a minister, also has been Deputy Prime Minister of the Flemish Government since 2014. And if all goes well, I will now be able to share the video via the screen here. Okay. Not sure I got the audio. Let me just try that again. Right, we should be good to go now. Hallo allemaal. 2020 is een jaar om nooit te vergeten. De coronacrisis heeft een enorme impact en heeft heel wat zaken op scherp gezet. Ook het debat over duurzaamheid is opnieuw op de voorgrond gekomen. Bijna 6 op 10 bedrijfsleiders gaat ervan uit dat corona de omschakeling naar een circulaire economie een fikse duw in de rug zou geven. Voor 85,5% wordt duurzaam omgaan met grondstoffen, materialen en hulpbronnen het nieuwe normaal. Meer dan de helft van onze bedrijfsleiders heeft begrepen dat het nu voor de transitie naar een circulaire economie een kantelpunt kan zijn. En wat opvallend is, meer dan 8 op 10 bedrijfsleiders zien in thuiswerk een belangrijke hefboom om duurzaam te ondernemen. Dus alle redenen zijn aanwezig om dit moment aan te grijpen om met een sterke innovatie echt een verschil te maken en duurzaamheid stevig te verankeren binnen onze ondernemingen. De Sustainable Development Goals zijn in dat opzicht belangrijker dan ooit. Maar er zijn toch nog heel wat uitdagingen en obstakels te overwinnen. Uit resultaten van de SDG-barometer blijkt dat er bij heel wat respondenten nog zorgen zijn en dat de SDG's vertraging zouden kunnen oplopen door de huidige omstandigheden. Het is een begrijpelijke zorg en dat is ook een van de redenen waarom we met de Vlaamse regering een Vlaams relanceplan opgemaakt hebben dat echt alles op alles wil zetten om te zorgen voor steun. De investeringen die we doen lopen parallel met de doelstellingen van de SDG's en moeten ervoor zorgen dat ondernemingen alsnog hun doelen kunnen halen. Ten eerste investeren we massaal in digitalisering en in opleiding. We lanceren een opleidingsoffensief, zodat ook de meest kwetsbare mensen in staat zijn om te participeren aan de digitale samenleving en zo ook jobkansen kunnen krijgen. We moeten echt iedereen digitaal ontsluiten en opgeleid krijgen. Maar we blijven ook investeren in ondernemerschap. Een sterke economie is maar mogelijk als ook gemotiveerde ondernemers bestaan. We doen inspanningen om drempels naar ondernemer weg te werken. Al wie de handen uit de mouwen wil steken en risico durft te nemen, krijgt onze steun. We helpen om zo nog beter te starten, te innoveren, te digitaliseren, te exporteren en, jawel, ook duurzamer te worden. Derde punt is innovatie. Innovatie is de rode draad door heel ons hele Vlaamse veerkrachtplan. We bouwen het Vlaamse innovatie-ecosysteem verder uit door intense samenwerkingen op te zetten waarin zowel de overheid als de burgers actief een rol spelen. En tot slot investeren we ook in werk. Circulair ondernemen gaat niet alleen over het vermijden van afval en het verlies van grondstoffen en energie. Bedrijfsleiders vinden het inzetten op digitale communicatie via telewerk en op afstand vergaderen de tweede belangrijkste hefboom naar een duurzaam en circulair ondernemen. Ik wil telewerk dan eigenlijk ook wel verankeren. Er komt extra financiële ondersteuning via werkbaarheidschecks en een intersectorale adviseur werkbaar werk. We merken in de praktijk tot slot heel vaak
dat duurzaam ondernemen voor bedrijven belangrijker wordt om ook de beste mensen te kunnen aantrekken. Sollicitanten vragen eigenlijk in veel gevallen heel nadrukkelijk naar de bedrijfsvisie over duurzaamheid en circulariteit. In een arbeidsmarkt die voor heel wat technische en hooggeschoolde beroepsprofielen krap blijft, ook in coronatijden, creëert circulariteit dus daar ook opportuniteiten. Dames en heren, we laten de Sustainable Development Goals niet los. Als Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie blijf ik maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Het is mijn uitdrukkelijke ambitie dat zoveel mogelijk organisaties de weg naar meer duurzaamheid inslaan. Ondertussen blijft het van belang dat zoveel mogelijk organisaties ook zelf blijven communiceren over de inspanningen die ze doen. Want dat is dan weer een manier om anderen te inspireren en aan te zetten tot actie. Laat ons dus vooral verder samenwerken voor een duurzame samenleving waarin het fijn werken een leven is. Bedankt voor jullie aandacht en ik wens jullie in elk geval heel veel succes toe. Okay, so some nice opening reactions and words there, and I would like to now invite to the stage our other two guests from government, Céline Tellier and Bernard Mazane. Welcome, Céline, and welcome, Bernard. I will briefly, quickly introduce you, and then it's over to you to get your reactions. You may just need to go on mute in the meantime. So, firstly, welcome Céline Tellier, who you've been Minister of the Environment, Nature, Forests, Rural Affairs and Animal Welfare in Wallonia since September 2019. You have a doctorate in social and political sciences, focused on environmental issues since 2010 within associations under the body Inter Environment Wallonia. So, very welcome to you, and then to Bernard Mazane, who is also representing as chef de cabinet of the Minister Zakir Khattabi, a member of the federal government, and taking charge of units for climate, environment, sustainable development, and the Green Deal. You're one of the founders of the Center for Sustainable Development at Ghent, where you've also had a chair of the Center for Sustainable Development. You've been a visiting professor, and your focus is on new industrialization within the context of transition, sustainable life cycle assessment, and social responsibility. So welcome to both of you. And I would first like to invite Céline to share some reflections in response to what you've heard so far earlier today. Thank you very much. Je vais m'exprimer en français si vous êtes d'accord. Et je voulais d'abord remercier d'une part Madame Krevitz qui nous a envoyé cette vidéo inspirante et également le directeur de cabinet de mon homologue Zakir Khattabi, donc Bernard Mazane, qui est là également aujourd'hui, ce qui montre bien l'intérêt de travailler de façon conjointe entre les différents niveaux de pouvoir sur la problématique du développement durable qui nous concerne bien tous et toutes. Merci également aux organisateurs d'avoir maintenu cet événement dans des conditions forcément un peu particulières en cette période difficile, mais c'est important que nous continuions aussi à avancer sur la voie de la transition et on le voit encore plus suite à la crise qui nous occupe aujourd'hui. Je voulais également remercier les participants, puisque c'est un colloque extrêmement dense qui a eu lieu cette semaine, qui se poursuit, et ce sont autant d'exemples inspirants pour nous tous pour vraiment pouvoir concrétiser ces engagements en matière de développement durable dans nos différentes orientations. Alors, je parlais de la crise tout à l'heure du Covid-19. Évidemment, vous ne m'en voudrez pas d'en parler. Pas uniquement, évidemment, parce que vous avez dû vous adapter en termes d'organisation pratique, mais surtout parce que cette crise nous montre à quel point nous sommes dépendants, finalement, de notre environnement. À quel point la destruction des habitats, et des espèces sensibles ont des conséquences dramatiques, on le voit aujourd'hui, sur nos sociétés,
que ce soit sur la santé animale et puis en ricochet la santé humaine également. Et donc l'interdépendance entre les écosystèmes différents est vraiment essentielle et je trouve que c'est une confirmation du principe même du développement durable qui vise à travailler justement cette approche systémique entre l'écologie, l'économie et le social. Alors cette crise du Covid-19 a aussi montré la fragilité de notre mode de développement actuel, basé parfois sur un profit à tout prix. Et donc nous devons aussi nous questionner du modèle de développement dans lequel nous souhaitons nous inscrire et pouvoir mettre bien plus d'avantages qu'aujourd'hui la question de la résilience au cœur aussi de notre développement. Cette résilience, elle nous permet de prévenir des crises à venir et on sait que les crises, notamment climatiques ou la crise de la biodiversité, ne sont malheureusement pas disparues suite à la crise aujourd'hui sanitaire du Covid-19. Mais au-delà de ces enjeux-là, je pense que les objectifs de développement durable, finalement, nous questionnent, et en résonance à la crise du Covid-19, sur la question du sens, le sens que nous voulons mettre aussi à notre engagement sociétal, à notre place dans la société. Et si ces ODD sont parfois vus de façon très théorique, à une liste, finalement, une checklist de points qu'il faut vérifier dans son organisation, dans son entreprise, si on se penche un petit peu plus sur ce qu'il y a derrière, je pense que c'est vraiment des prérogatives, des orientations plutôt qui ramènent du sens, comme je le disais, sur notre engagement, sur nos sociétés. Lutter contre la pauvreté, lutter contre, les inégalités entre les sexes, travailler à l'amélioration de la qualité de vie, travailler à l'assainissement de notre eau, de notre air, de notre sol, ce sont vraiment des éléments essentiels qui permettent le bien-être de notre population. Et donc, je pense qu'il est vraiment essentiel que l'aspect parfois théorique de ces ODD vienne percoler dans notre travail parce que vraiment, ça nous ramène, comme je le disais, à cette question fondamentale du sens d'avoir un développement qui intègre prospérité économique, émancipation sociale et respect de l'environnement. Et donc, face à ces différents défis qui sont devant nous, il est vraiment essentiel que chaque citoyen, chaque entreprise, chaque organisation, chaque pouvoir local puisse être informé, sensibilisé et accompagné chacun à son niveau pour s'engager vers ce développement durable. Alors, je voudrais peut-être revenir rapidement sur la façon dont la Wallonie, plus particulièrement, s'est saisie de cette question. Donc, il y a 4 ans, la Wallonie s'est engagée à atteindre les 17 objectifs de développement durable d'ici à 2020. Et dans la déclaration de politique régionale pour la Wallonie, donc pour la législature 2019-2024, l'ensemble des politiques à mener ont pour objectif commun de faire en sorte que la Wallonie devienne un modèle de région en transition, en concrétisant une triple transition sociale, économique et environnementale. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait depuis un an dans ce sens-là ? D'abord, peut-être sur des points plus spécifiques, nous avons notamment dégagé une stratégie pour l'économie circulaire intitulée Circular Wallonia, qui est en cours de consultation publique pour le moment, qui est vraiment un élément essentiel pour penser autrement l'économie, comme vous le savez, en interaction avec l'environnement. Dans les compétences qui sont les miennes, on travaille beaucoup sur la question de l'alimentation, avec par exemple à la fois la constitution d'un conseil wallon pour l'alimentation durable qui rassemble vraiment l'ensemble des interlocuteurs pour améliorer et accélérer la transition du système agroalimentaire wallon, mais également pour lancer la première alliance emploi environnement pour l'alimentation durable, pour vraiment connecter ces enjeux d'emploi, d'économie et d'environnement et diminuer également le recours aux intrants chimiques. Un autre point important sur cette thématique de l'alimentation, c'est un appel à projet que nous avons lancé, on a énormément de succès, pour encourager, promouvoir et pérenniser des initiatives comme les ceintures alimentaires, les coopératives de producteurs et de consommateurs, les groupes d'achat communs, etc. Donc on a dégagé une enveloppe de 3 millions d'euros pour une dizaine de projets accompagnés pendant 10 ans pour transformer là aussi nos modèles agricoles et surtout pour amener, l'alimentation durable accessible à tous à proximité de chez soi. Un autre axe qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la biodiversité de la nature. Nous travaillons sur une stratégie biodiversité à 360 degrés pour vraiment faire percoler cette problématique dans l'ensemble des politiques publiques. Et nous avons notamment comme ambition de protéger chaque année plus de 1000 hectares de nouvelles réserves naturelles. On en a déjà protégé 1098 en mai dernier, donc on tient bon notre objectif.
de plantation également massive d'arbres et de haies, mais également d'autres dispositions en matière de préservation des habitats et des espèces. Et comme je le disais, c'est essentiel et la crise du Covid nous le rappelle encore aujourd'hui. Au-delà de ces éléments plus thématiques, plus largement en lien avec les objectifs de développement durable, à l'occasion du 5e anniversaire des ODD, le 25 septembre dernier, nous avons lancé un appel à projet vers des organisations durables qui visent à accompagner vraiment les organisations pour avancer dans la mise en œuvre des ODD à travers une trentaine d'organisations qui seront accompagnées par un coach sur mesure en fonction de leur projet pour avancer dans une transition vers le développement durable. Et donc cet appel à projet est toujours en cours jusqu'au 15 novembre. N'hésitez pas, si cela vous intéresse, à y postuler. Au niveau du secteur des entreprises, plusieurs actions sont déployées également en partenariat avec l'Union Wallonne des entreprises pour développer des outils spécifiques, notamment des capsules vidéo illustrant les entreprises exemplaires, puisqu'on sait que l'émulation est vraiment un élément essentiel dans la diffusion du développement durable. Un canevas de business model également adapté aux objectifs de développement durable pour vraiment faire changer le modèle économique de ces entreprises pour qu'elles intègrent vraiment en leur cœur cette question du développement durable. Et on subventionne déjà aujourd'hui 35 entreprises privées en matière de développement durable et de transition écologique. Au niveau des pouvoirs locaux, on vient également d'organiser 3 webinaires avec les pouvoirs locaux, les communes, pour à la fois rappeler les fondements des ODD, donner la parole à des témoins inspirants, évoquer des outils méthodologiques mis à disposition. Là, on travaille avec l'Union des villes et communes de Wallonie, qui démarrait encore récemment son intervention en assurant bien que les ODD étaient une opportunité pour les pouvoirs locaux également d'agir. Et 29 communes participent déjà à un projet qui s'appelle Ma commune en transition. Donc on voit aussi que ça percole bien au niveau des pouvoirs locaux. On travaille également avec les organismes parapublics, avec un réseau apprenant qui a été mis en place pour que les bonnes pratiques circulent. Voilà quelques éléments. Puisqu'on sait que depuis 2018, on a une évolution significative dans l'adoption des ODD aussi par le monde associatif, les organisations citoyennes ou les pouvoirs locaux. Donc, ça nous semblait important de continuer ce travail-là. Dans les défis qui restent à venir, je pense qu'on peut pointer la nécessité d'avoir une approche vraiment systémique pour transformer nos sociétés. Comme je le disais, l'actualité du Covid nous rappelle à quel point tous ces éléments sont liés. Il faudra vraiment pouvoir davantage prendre conscience de l'importance également de cette approche systémique. L'autre enjeu que je souhaiterais pointer, c'est la question de l'amélioration du suivi des objectifs de développement durable et de leur impact en termes de concrétisation sur le terrain. À cet égard, si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à consulter le 2e rapport de suivi des progrès de la Wallonie en matière d'objectifs de développement durable qui a été publié en mars dernier. Et ce document, qui est vraiment le produit d'une collaboration forte entre deux administrations wallonnes, l'IWEPS et le SPOE, se distingue du rapport précédent de 2017 en ce qu'il met en place vraiment des recommandations très concrètes émises par une dizaine d'experts scientifiques des différentes disciplines afin de mieux mesurer justement à l'avenir les progrès de la Wallonie en matière de développement durable. Il y en a 80 indicateurs de suivi de ces ODD avec une actualisation très forte qui permet vraiment de concrétiser ce travail-là. Et enfin, pour terminer, dans le cadre d'une initiative que le gouvernement a souhaité lancer suite à la crise Covid, pour travailler vraiment sur une relance et un redéploiement de notre économie suite à cette crise, nous avons également mandaté l'administration pour nous donner des indicateurs très très concrets, chiffrés, sur lesquels nous pourrons nous baser dans le cadre de cette dynamique Get Up Wallonia, pour vraiment intégrer le développement durable dans cette perspective de redéploiement et faire en sorte que, voilà, ça ne reste pas, je vais dire, un propos très général, mais on arrive vraiment à concrétiser dans des projets concrets cette transversalité, cette approche systémique qui nous tient vraiment particulièrement à cœur. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà été assez longue. Je voulais encore vous remercier pour votre attention et je vous félicite en tout cas que nous ayons maintenant un gouvernement fédéral pour travailler main dans la main, de plein exercice en tout cas, sur cette question-là et pour améliorer notre concertation aussi au niveau national. Sur cet objectif. Bonne continuation. Thank you very much for sharing those thoughts, and it's really good to see how much is going on in Wallonia. We've had also the Flanders perspective. We come now to Bernard Mazin to give us a federal perspective. Over to you. Thank you. Thank you.
Well, Professor Wayne, Madame la Ministre, bonsoir à tous et à toutes. Je salue aussi tous les collaborateurs de l'Institut fédéral pour le développement durable et pour les grands efforts qu'ils ont mis en avant pour organiser le SDG Forum avec beaucoup d'autres groupes cibles, évidemment. Je vais parler en deux langues, le français et l'irlandais, mais permettez-moi d'abord d'excuser ma ministre, Madame Zaka Katabi. Elle est en quarantaine à cause du COVID-19 et m'a demandé de la représenter aujourd'hui en tant que sa chef de cabinet. Dames en heren, overal te landen zou ik zeggen, en misschien wel wereldwijd. In het voorwoord van de publicatie SDG Barometer 2020, Quo Vadis, kon u al de appreciatie lezen van de minister voor het geleverde werk van de onderzoekers, maar bovenal voor de vooruitgang die is geboekt in de voorbije 5 jaar in het aanwenden van de SDG's voor beleid door overheden, voor strategieontwikkeling door het bedrijfsleven en voor heroriëntering door andere organisaties zoals NGO's. Maar we zijn er nog niet. In deze korte interventie zou ik 2 punten willen beklemtonen waar we de volgende maanden en jaren grote vooruitgang moeten boeken. Willen we tegen 2030 de deadline om de SDG-targets te halen om daarmee succesvol te zijn. We hebben het punt van het percentage van gebruikers van de SDG's voor dat beleid, voor die strategie, voor die heroriëntering moet drastisch naar boven. En we hebben ook het punt dat SDG's geen fruitmand zijn waaruit men naar eigen smaak een stuk fruit kiest. Laat me even doorgaan op deze 2 punten. Het eerste punt, de resultaten van het onderzoek die tonen, in vergelijking met het onderzoek van 2018, een vooruitgang. Ik herhaal, we feliciteren deze organisaties die concrete stappen hebben ondernomen om de SDG's te integreren in hun strategieën. Het gaat om 25% van de organisaties, leer ik uit het rapport. Maar dit cijfer zou toch binnen 2 jaar, laten we zeggen wanneer een volgende SDG-barometer verschijnt, moeten verdubbeld zijn. En tegen 2025 verdrievoudigd. Het tweede punt. Gisteren heb ik tijdens het afsluitend panelgesprek op GISTIC, de GISTIC-conferentie, waar we aanwezig waren in het panel met mevrouw Gro Harlem Brundtland en met professor Jeffrey Sachs, die daarnet sprak, heb ik gezegd, SDG's are not there to pick and choose what you like. En hier vandaag vertaal ik het door, de SDG's zijn geen fruitmand waar men naar eigen smaak een stuk fruit kiest. Ik ben namelijk akkoord met de analyse die von Weizsäcker en Weichmann maken in het rapport Come On uit 2018, gericht aan de Club van Rome. In het hoofdstuk The Agenda 2030, The Devil is in Implementation. En ik citeer, a coherent policy will be needed to address socio-economic and environmental goals as a whole. Nu, het is tegen de achtergrond van deze 2 punten dat mijn minister haar beleidsnota voor het parlement aan het voorbereiden is. Een beleidsnota die dan vanaf november in de bevoegde commissie van de Kamer zal worden besproken. Spreek vanzelf dat de minister zal rekening houden met de daarnet geformuleerde aanbevelingen in het SDG-barometerrapport. En ik kan hier enkele krachtlijnen weergeven van wat de minister in haar beleid in elk geval wil naar voren schuiven. Pour la ministre, les ODD vont servir comme boussole importante de sa politique. Elle prévoit de différentes initiatives et actions. Une étude est en cours
pour rendre les objectifs et sous-objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies smart, en tout cas où cela manque. Cette étude, qui sera normalement disponible fin mars 2021, va être utilisée pour parvenir à un accord au sein du gouvernement et pour fixer, le cas échéant, des objectifs concrets en matière des ODD pour la Belgique, afin alors de fournir une trajectoire claire et un suivi des progrès. L'administration de la ministre va élaborer aussi un projet avec l'OCDE pour voir comment les ODD peuvent être liés au budget, ce qu'on appelle en anglais aussi le SDG budgeting. Troisième élément de la politique de ma ministre, une proposition de réforme de l'analyse de l'impact de la réglementation sera également élaborée de la manière SDG-proof, afin de renforcer sa contribution à la qualité du processus d'élaboration des politiques. Et enfin, quatrième point comme exemple, nous continuerons aussi à utiliser les ODD comme boussole dans la coopération et le soutien de la société civile, des entreprises et d'autres organisations. En 2021, des SDG Voice, sorte d'ambassadeurs des ODD, seront nommés et, mesdames, messieurs, je vous invite à regarder de près l'appel qui a été lancé il y a quelques jours et où votre organisation, si vous êtes intéressé, peut encore soumettre une proposition avant le 23 novembre. U ziet, dames en heren, wij moeten met z'n allen inzetten op het aanwenden van de SDGs as a whole. In het beleid, de strategie, de oriëntering, de heroriëntering van de eigen organisatie. Opdat we binnen 10 jaar de doelstellingen in Agenda 2030 zouden kunnen bereiken. Dit is een verantwoordelijkheid van iedereen. Wij vanuit de federale regering zullen onze bijdrage leveren. En zoals daarnet ook gezegd door mevrouw Tellier, minister Tellier, we gaan zeker samenwerken met de andere overheden, gewesten, gemeenschappen. En we rekenen op de inzet ook en een goede samenwerking met alle stakeholders. Tot zover, professor Wijn. Mijn bijdrage voor deze avond. Thank you very much. So we've had some good reactions now from the government, and I'd like to invite Luc van Liedekerke to join us now to do a closing summary, a few words. And while you join us, Luc, let me just introduce you. Luc is a professor of business ethics at the University of Antwerp and the KU Leuven. He currently holds the BNP Paribas Fortis Chair in Ethics and Finance at the University of Antwerp and directs the Center for Economics, previously for Economics and Ethics at KU Leuven, and was for many years president of the European Business Ethics Network. So Luc, over to you, if you're able to turn your video on and to give us some closing thoughts. Oh, so thank you, Wayne. Apparently, I don't have influence on the video. But anyway, I hope you can hear me. Yes, we hear you. Okay. So let's hope that we find a video solution because mine is on. I will not take very long because you heard already a lot of comments. But just a couple of remarks to end these 2 days. Cette fois-ci, on a été obligé d'organiser le forum de manière virtuelle, en rassemblant un large panel d'acteurs autour des ODD au Benelux. L'intention du forum des ODD est toujours d'impliquer autant de parties prenantes que possible et d'offrir une multitude d'ateliers, de séances plénières et débats. Cette année-ci, le forum a été organisé
En u, ja, u was weer talrijk aanwezig, ja, ondanks de speciale omstandigheden, met meer dan 1000 geregistreerde deelnemers, waarvoor dank. We staan vandaag voor belangrijke mondiale uitdagingen. De meest tastbare is zeker de gezondheidscrisis. Ik ga gewoon even verwijzen naar de Lancet, die onlangs nog een overzicht gaf van waar COVID-19 allemaal invloed op heeft wat betreft de SDG. De gezondheidscrisis leidt tot een massieve economische crisis en dat leidt tot dramatisch inkomensverlies. En zoals de koningin reeds bij de opening van het forum opmerkte, deze gezondheidscrisis treft vooral de zwaksten. Zij hebben geen buffer tegen inkomensverlies. En voor het eerst in jaren zien we de mondiale cijfers voor extreme armoede weer stijgen. Hetzelfde geldt voor voedselonzekerheid en toegang tot elementaire publieke goederen als veilig drinkwater. Toegang tot onderwijs wordt zwaar op de proef gesteld, ook in ons land. En iets wat op termijn sterke invloed kan hebben op een van die centrale gedachten van Agenda 2030, Leave No One Behind. We weten dat onderwijs daar een zeer belangrijk is op lange termijn. Zelfs een doel als gendergelijkheid, waar we sinds 2015 belangrijke vooruitgang geboekt hebben, wordt door het geleidelijk wegvallen van onderwijs voor meisjes en een duidelijke toename van huishoudelijk geweld, opnieuw, ook in ons land, bedreigd. Maar de crisis is niet enkel een stap terug in het bereiken van de SDG-doelen. Het is ook, zoals vele eminenties tijdens de voorbije dagen en in dit slotdebat ook duidelijk maakten, een kans tot het herdenken van onze samenleving en ons economisch systeem in de richting van die 17 doelen. We hebben uit die barometer geleerd dat vele organisaties, bedrijven, overheid en NGO's aan de slag zijn met SDG's. En dat ondanks de crisis waarin we ons vandaag allemaal beginnen en waar we moeten vechten om te overleven. Het bewustzijn omtrent SDG's groeit, maar er is nog een lange weg te gaan. We hebben niet alleen bewustzijn nodig, maar zoals de barometer ook leert, hebben we ook impactmeting nodig. Nu kijken we vooral naar output. Ik geef één voorbeeld. Mijn eigen universiteit, die meet het aantal afgeleverde diploma's, die meet het aantal doctoraten, maar dat is output. De vraag is, wat doen die doctoraten? Wat doen die gediplomeerde mensen? Waar maken ze het verschil? En dat is een vraag die elke organisatie zich moet blijven stellen. Waar maken we finaal het verschil? Hoe hebben we impact op die verre doelen die het wegwerken van honger en armoede of het realiseren van een duurzame economie en een houdbaar klimaat zijn? Dat is de vraag naar finale impact, een vraag die we allemaal moeten blijven stellen. Het is niet output wat telt, maar impact. La crise sanitaire met le doigt sur les failles et les problèmes structurels du système actuel. Il y a lieu de renforcer, de donner un nouveau souffle à la coopération internationale afin de relever conjointement les défis qui surviennent dans le monde, y compris la crise actuelle liée au COVID-19. Pour ce faire, il est important aussi de savoir où nous en sommes après cette crise. La raison pourquoi on a besoin d'un nouveau rapport national volontaire sur l'implémentation des ODD en Belgique, comme cela est d'ailleurs prévu dans la stratégie nationale de développement durable et préconisée par, par la Cour des comptes. Un nouveau rapport national volontaire pourrait constituer une opportunité pour mobiliser les acteurs, faire le bilan de ce qui a été fait et se fixer des ambitions pour les prochaines années. From everyone, to everyone, by everyone. It is a central slogan of this SDG forum and not by accident. Unilateralism is a major danger in each crisis, but it is never the solution on the contrary. The challenges we face cannot be solved either by government, private actors or civilians alone. Look at the health crisis. It is a clear testimony to this. No matter what measures our government takes, as long as we as civilians do not follow them, we are nowhere. Rest mij tenslotte nog een dankwoord te richten naar alle partners en alle deelnemers. Jullie hebben deze derde editie van het forum mogelijk gemaakt en daarvoor zijn we jullie bijzonder erkentelijk. Ik wil toch nog een aantal mensen speciaal bedanken. De mensen van Fido, Dieter, Anneleen en Michael, door wiens onophoudelijke inzet deze experimentele editie, waar camera's wegvallen tot op het einde, ja, tot een goed einde gebracht werd. En we geven niet op. Volgend jaar komen we terug. En hopelijk opnieuw in fysieke vorm, zodat we elkaar terug kunnen omarmen en aanmoedigen in onze weg naar de SDG's. En u bent hierbij van harte uitgenodigd. Tot volgend jaar. Thank you, Luke, and thank you all for participating. It's been a really good session.